Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle rencontre virtuelle de la librairie Dialogue. Ce soir, nous recevons donc Laetitia Klotz pour son livre Intime Arabie, Confidence saoudienne, paru aux éditions Transboréal. Bonsoir à vous, Laetitia Klotz. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, je vais commencer, si vous le voulez bien, par vous présenter. Intime Arabie est votre premier livre publié. Vous enseignez également le français langue étrangère. Vous avez aussi créé une web radio en Ouganda. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et sur votre blog Itinérance littéraire, vous vous décrivez comme déracinée avant d'être enracinée, issue de l'histoire d'un amour improbable entre un Français catholique d'origine juive alsacienne et une Vietnamienne élevée à Djibouti. Alors on comprend à ces mots que vos parents vous aient donné le goût de la découverte, une curiosité du monde et des autres. Vous avez beaucoup voyagé pendant votre vie. Vous avez notamment eu l'occasion de vivre 3 années que vous décrivez comme très heureuses au Yémen, dans la cité millénaire de Sanaa. Cela vous a permis de vous familiariser avec la langue arabe et d'approfondir votre connaissance de l'islam. Et puis donc de 2011 à 2014, vous avez passé 3 années en Arabie Saoudite, un pays à l'abord peut-être plus fermé que le Yémen, mais dont vous avez cherché à percer les mystères. Vous y êtes arrivée avec votre mari qui a été muté là-bas et vos 2 jeunes enfants. Il me semble que votre fille avait quelques mois à votre arrivée. Vous vous êtes installée dans un camp d'expatriés assez luxueux, on y reviendra. Et c'est donc cette expérience que vous nous racontez dans Intime Arabie. Alors pour démarrer cet entretien, Laetitia Klotz, j'aimerais qu'on revienne sur le projet lui-même d'écrire un livre. Comment de cette expérience vécue vous avez eu cette envie et cette idée, d'autant, on l'a dit, qu'il s'agit de votre tout premier livre. Alors je crois la vérité est tout de même que j'ai toujours voulu écrire, j'ai ça en moi, donc j'ai toujours pris des notes sur mes voyages, notamment les rencontres que je faisais, pris des notes aussi on va dire orales, c'est-à-dire que j'enregistre aussi beaucoup les rencontres que je fais, les conversations que j'ai avec les personnes que je croise. Et je veux quelque part garder une trace de ça. Et c'est vrai que quand je suis en Arabie, sur le coup, je ne sais pas encore ce que je vais faire de tout ça, mais c'est très important pour moi de tout noter au jour le jour, comme en fait dans un journal de bord, un journal intime. Et donc tout ce qui m'arrive, toutes les rencontres que je fais, tous les récits qu'on me fait, toutes les trajectoires de vie que je rencontre, je les note dans mes petits carnets. Et j'ai donc gardé dans l'idée d'en faire quelque chose, mais quoi, sous quelle forme, j'ai pas réussi à trouver avant un bon moment. C'est-à-dire que je voulais pas parler de moi en fait au départ, je voulais vraiment parler des femmes que je rencontrais, essentiellement des femmes, et c'est ce que je vais quand même réussir à faire. Mais l'idée au départ, c'était pas du tout de parler des expatriés. Et de moi. Je ne voulais pas me mettre au centre de ce récit. Mais au bout de 3 ans d'Arabie et après mon retour, je n'avais pas suffisamment de matière quand même au niveau saoudien pour en faire un livre. Fallait que je sois réaliste à ce niveau-là. Et il est vrai aussi que je trouvais quand même intéressant de parler de la vie d'un camp d'expatriés. Parce que finalement, pour nous, c'était notre quotidien là-bas. Mais en parlant avec des amis, de la famille, je me rendais compte que les gens n'avaient aucune idée de la réalité, de ce que c'était réellement. C'est-à-dire que tout le monde a un peu des a priori sur les expatriés et les vies un peu extraordinaires qu'on mène à l'étranger. Et je voulais aussi déconstruire un peu ça, tout en étant factuel sur ce qui se passe, sur ce que je vis, sur ce qu'on a vécu, qui n'est pas une vérité unilatérale, mais qui est quand même une partie de la vérité des expatriés. Et puis essayer de les raconter
en toute honnêteté, de l'intérieur. Donc c'était essayer de mettre en parallèle ces deux mondes qui sont réunis donc, sur un territoire assez particulier qui est le royaume saoudien, qui n'est quand même pas un pays très commun. Et donc, voilà, essayer de montrer comment ces deux mondes se font un peu, il y a un jeu de miroir entre ces deux mondes en Arabie Saoudite. Et petit à petit, quand j'ai réussi à voir clair dans ce, on va dire, dans ce schéma-là, j'ai pu imaginer un livre. Ouais. Où du coup, je parlais à la première personne et c'était beaucoup plus simple finalement de parler à la première personne et du coup de me mettre quand même un peu en avant et de raconter ma vision de mon vécu et ma vision du pays. Du coup, le livre a pu naître à ce moment-là. Mais ça a pris quelques années puisque j'ai quitté l'Arabie en 2014 et qu'il est sorti cette année. Donc, ça a pris quelques années. Alors, il est construit, hein, ce livre Intime Arabie, de manière chronologique. L'histoire démarre à votre arrivée sur place, se termine 3 années plus tard avec 4 grands chapitres qui s'articulent autour de 4 grands temps de votre séjour et puis une multitude de sous-chapitres ensuite, un peu à la manière d'un journal intime ou d'un carnet de voyage où vous racontez une anecdote, une rencontre, un moment précis. Voilà, ça aussi dans la construction de votre récit, c'est forcément voulu. Oui, oui, parce que ces petits chapitres, effectivement, ce sont tous ces petits événements qui peuvent paraître anodins quand je les vis ou quand on me les raconte et qui finalement, mis bout à bout, créent vraiment l'atmosphère du pays et du camp. Et cette construction chronologique, elle a aussi été difficile quelque part j'ai mis du temps à me décider à une construction chronologique parce que au début c'est la découverte, donc il y a forcément moins de choses qu'à la fin où les choses sont plus établies, mais c'était aussi important de faire comprendre la progression de la situation aussi, peut-être de ma propre situation en tant que visiteuse du royaume, comment progressivement le royaume se fait plus familier, et c'est dans ce sens que la construction chronologique prenait un peu de pertinence, on va dire, était assez pertinente. Alors vous avez passé donc 3 années hein, là-bas avec votre famille, on l'a dit. Alors là-bas c'est où? C'est sur les bords du golfe Persique, à l'est de la capitale de l'Arabie Saoudite qui est Riyad, dans la ville de Dubaï. Je ne sais pas si je prononce bien. Très bien, bravo. D'expatrier, cette destination, vous ne l'aviez pas forcément choisie, mais on sent que l'adaptation, elle est difficile, elle est longue. Est-ce que pour vous, l'écriture a été comme une forme d'échappatoire? Alors, vous disiez, vous l'avez écrit a posteriori, mais il y avait ce besoin quand même de revenir sur cette expérience qui n'a pas été simple. Oui, je crois. Je crois que l'écriture, elle m'a accompagnée du début à la fin, et vous avez raison, oui, ça a été un échappatoire, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, même si j'ai toujours écrit depuis l'adolescence, mais l'Arabie Saoudite, c'est quand même un des pays où j'ai le plus écrit, voire certainement le pays où j'ai le plus eu besoin d'écrire, parce que j'avais beaucoup de temps face à moi-même, j'en parle beaucoup dans le livre, et que l'écriture était quand même un moyen, oui, sans doute, d'exorciser un peu parfois les difficultés que je rencontrais. Excusez-moi, je ne me rappelle plus de votre question. C'est ça, l'idée que l'écriture a permis de revenir sur cette expérience un peu par moments douloureuse. Oui, c'est-à-dire sur le moment et a posteriori, effectivement, il y a eu une nécessité aussi quand même que ça sorte aussi de moi. C'est-à-dire que ça ne reste pas juste une écriture, on va dire, salvatrice, une expression de mon mal-être, si on veut employer des gros mots, mais que ce soit quand même aussi tourné vers les autres et que ça devienne un témoignage et donc lisible par les autres aussi.
Alors justement, parlons peut-être un peu plus de ce décor dans lequel se situe Inti Mahabi. Donc on l'a dit dans cette ville de Jubail. Alors vous arrivez après ces 3 années passées au Yémen, dont vous aviez vraiment un formidable souvenir, et très vite vous êtes déçu par ce que vous trouvez, avec notamment cette mer dans laquelle on ne se baigne pas, cette chaleur qui étouffe, ces routes dangereuses au milieu de paysages industriels, l'enseigne d'un célèbre fast-food américain que vous qui vous saute aux yeux à peine arrivé à l'aéroport. Premier contact rude, et vous ne vous y attendiez pas. Non, alors, j'étais sans doute un peu naïve, mais c'est vrai, et je le dis dans le livre, au début du livre, le Yémen, ça a été une expérience fondatrice pour moi, parce que c'est un pays extraordinaire par ses paysages, par ses gens, ses habitants, l'accueil qu'ils prodiguent à l'étranger, une tradition d'accueil au Yémen. Et l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui est pas loin du Yémen. Et même si j'avais bien conscience que c'était pas du tout la même réalité, et on m'avait prévenu, notamment mes amis yéménites, attention, les Saoudiens ce sont pas les Yéménites, mais tout comme on m'avait prévenu que les Yéménites c'était quand même, voilà, c'était quand même l'islam, donc j'allais avoir du mal là-bas. Or, je m'étais vraiment plus au Yémen. Donc, j'avais pas trop envie d'écouter ce qu'on me disait sur l'Arabie Saoudite. Et j'avais jamais vécu d'expatriation difficile, c'est-à-dire que dans les quelques pays que j'avais visités auparavant, j'avais toujours réussi à trouver ma place, à faire mon trou, à être heureuse, à avoir mes repères, à trouver un travail, à avoir mes amis. Donc ça m'inquiétait pas trop. Mais effectivement, le décor dans lequel je plonge immédiatement, ce paysage de frontières, quand on rentre en Arabie Saoudite, donc on est à El Jubeil, qui est effectivement une ville située à l'est. Donc on rentre, en fait, on a atterri au Bahreïn, on est arrivé par la route en Arabie Saoudite. Et c'est un territoire assez désolé, en fait, assez presque lunaire et désaffecté. Il y a quelque chose d'à la fois de moche, en fait. C'est très moche, en fait. Ça manque terriblement alors je le dis, de romantisme. C'est vrai que je viens un peu avec mes idées complètement usitées, d'aventurière. Voilà, j'imagine les sables désertiques, mais des beaux sables. Et ça, c'est des sables sales avec toute la saleté de l'industrie qui se délite sur les routes, sur le désert. Donc oui, c'est très, très moche. Et il fait très chaud. Et les gens ne sont pas du tout avenants. Et je crois que c'est ça le plus difficile, c'est que on n'est pas accueilli. Les Saoudiens, au premier abord, nous ferment leurs portes. Et ça, c'est rude. Alors, d'autant que vous vous enfermez contre votre gré, mais dans ce camp d'expatriés qui est complètement sécurisé, hein, ne rentre pas qui veut, les Saoudiens n'ont pas le droit d'y rentrer. Et vous écrivez, 3 plages et 3 piscines ne sont pas assez pour effacer les murs qui encerclent notre lieu de vie. Vous avez l'impression de vivre dans une prison dorée. Ah, c'est complètement ça. L'expression prison dorée, elle a vraiment pris tout son sens là-bas. On habite donc dans ce qu'on appelle à l'américaine un campand, donc c'est un camp fermé pour expatriés. Pour rentrer, il faut montrer patte blanche. C'est un endroit où les Saoudiens ne sont pas autorisés à pénétrer, ce qui paraît incroyable parce qu'on est quand même chez eux, mais eux n'ont pas le droit de rentrer dans ce camp. Et c'est un endroit qui est absolument merveilleux, c'est-à-dire qui est d'un luxe, je veux dire, d'un luxe très occidental, avec effectivement ces 3 piscines, ces 3 plages privées, plein de, on va dire, un personnel complètement dévoué et souriant et dédié, un personnel étranger aussi, et des logements très fonctionnels. Pas forcément gigantesque, mais en tout cas très fonctionnel, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Tout est parfait. On ne peut faire aucune critique à l'esthétique de l'endroit, mais
tout autour de nous, il y a des murs, et c'est des murs qui nous coupent du coup du pays et de la réalité. Ça, c'est... Et donc, on est comme dans une bulle, et c'est vrai que vraiment, j'ai l'impression, enfin, parfois, on se croit presque dans un film. Ouais. Ouais. Alors, vous, vous avez envie d'aller à la rencontre des Saoudiens, des vrais habitants de ce pays, mais vous vous rendez compte que autour de vous, dans ce camp, ce n'est pas les envies des autres familles, et même avec eux, le contact est parfois difficile parce que finalement, dans ce décor de Disneyland, vous avez du mal à vous y retrouver. Oui. Alors peut-être, et là j'imagine que les personnes qui ont vécu la même aventure, enfin qui étaient avec moi, mes amis, hein, qui étaient avec moi sur le camp, n'ont pas forcément le même ressenti, le même vécu. Mais c'est vrai que j'ai trouvé, et c'est tout à leur honneur en fait, que beaucoup de gens se satisfaisaient de ce qu'on leur donnait. Et je le comprends complètement, c'est-à-dire que quelque part c'est une bulle dans nos vies. On a 2, 3, 4 ans à vivre sur cet espace féerique, idyllique. Donc, profitons-en. Et je comprends complètement. Après, moi, et j'imagine d'autres personnes aussi quand même, hein, y avait pas que moi, je ne suis pas du tout une héroïne dans ce sens-là, mais je ne peux pas être dans un pays et m'enfermer comme ça. Je ne peux pas être dans un pays et ne pas découvrir ce pays, ne pas connaître les gens qui habitent ce pays, ne pas voir ce qu'il y a autour de moi et ne pas tenter quand même de nouer un lien et puis vraiment de connaître ce pays. Sinon, je pars pas à l'étranger. Sinon, je viens pas dans ce pays. C'est pas du tout mon image du voyage. Et c'est là où l'expatriation parfois malheureusement a ses défauts. Après, je vais pas vous donner une image idéalisée de moi. Je fais comme tous les expatriés, quand j'arrive quelque part, j'aime bien retrouver des repères occidentaux, voilà. Mais quand même, quand on part à l'étranger, c'est pour rencontrer l'autre, c'est pas juste pour être dans un resort tout confort et vivre la même vie qu'on vit chez nous. Ça n'a pas de sens. Alors, c'est ce que vous essayez de faire, et comme vous le disiez, hein, vous allez trouver rapidement des portes fermées, parce que pour rencontrer l'autre, encore faut-il que l'autre soit prêt aussi à vous rencontrer, et ça ne va pas être évident, et vous découvrez petit à petit cette société saoudienne qui est pleine de paradoxes, avec un pays donc, où femmes et hommes vivent séparés, mais où WhatsApp et Instagram sont partout, un pays où la sortie au supermarché est l'attraction du week-end, où il y a à la fois les dérives de la modernité et le poids de la tradition, et tout ça, ça crée des difficultés pour vous à bien comprendre finalement. Oui. Oui, alors ces portes fermées, vraiment, pareil, un peu par excès de naïveté, au début c'est très frustrant, je ne les comprends pas, notamment parce que j'ai ce repère du Yémen, où j'étais quelques mois plus tôt, et où au contraire les portes étaient tellement grandes ouvertes, que ça me paraît, c'est limite vexant en fait, c'est complètement vexant de trouver ces portes closes. Elles sont dues bien sûr au wahhabisme et puis à la peur des Saoudiens que nos deux mondes rentrent en contact. Ils nous considèrent, nous, étrangers, c'est-à-dire comme un potentiel danger pour les populations locales. Et c'est vrai que de toute façon, ils ont une tradition de ségrégation entre les hommes et les femmes, et puis les étrangers et les Saoudiens même, qui fait que il est très difficile, si on n'est pas lié d'une façon ou d'une autre à une personne, d'avoir accès à cette personne. Et ça, c'est très frustrant. C'est vraiment très très frustrant quand on va visiter un pays de ne pas avoir accès à ses habitants. Et il y a un autre point que je mentionne aussi, c'est l'absence de lieux publics qui pourraient susciter la rencontre. Dans les cafés, je le dis un peu, dans les cafés, dans les restaurants, les quelques cafés-restaurants, on ne peut pas rencontrer l'autre. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de place publique. Et là, je parle vraiment spécifiquement pour Jubail à l'époque. Je prenais un peu des pincettes parce que les choses ont beaucoup évolué depuis. Et je n'étais pas à Riyad, j'étais à Jubail. Et les choses étaient comme ça. Voilà. Et donc, la rencontre était très difficile. Ouais.
Et puis vous découvrez bien sûr la place de la religion qui joue un rôle central avec cette vie rythmée par les appels à la prière. Et puis la place des Moutaouines, donc cette police religieuse qui rappelle régulièrement les femmes à l'ordre, notamment bien sûr sur leur manière de s'habiller, de bien porter le voile. Et là, vous sentez une pression que vous n'aviez pas ressentie avant dans d'autres pays? Absolument pas. En fait, c'est la première fois, et tout ce que vous venez de citer, ça me ramène très, très violemment en fait à ma condition de femme. C'est-à-dire que je me rends compte en fait à quel point j'ai eu une éducation finalement très, très libre que j'ai jamais questionnée. Je suis une femme, je suis comme un homme, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et non, en fait, pas dans ce pays. Je suis une femme, donc je dois me couvrir, je dois porter cet abaya, qui est un objet absolument insupportable de négation de la femme, et je suis obligée de le porter. Et je ne peux pas sortir librement comme je veux, toute seule, il faut que je sois accompagnée. Tout ça, ce sont plein d'empêchements qui sont minimes, parce que je reste une occidentale, je veux dire, qui sont minimes par rapport à ce que vivent les Saoudiennes, mais ça me fait prendre conscience d'un coup que je suis une femme et que du coup, ma condition, ma liberté, elle est restreinte juste parce que je suis une femme. Et ouais, ça, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. Du coup, il va falloir que j'évolue, en fait, par rapport à ces interdictions, par rapport notamment à l'abaya, et j'en parle dans le livre, à mon rapport à l'abaya, et que je me force un peu à pousser un peu les barrières, alors que finalement, ce serait plus simple de rester simplement sur le camp, où on est libre sur quelques kilomètres carrés, et du coup, je comprends. Qu'on reste sur le camp et qu'on ne cherche pas à en sortir parce que finalement, à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a à voir? Et en plus, c'est difficile et en plus, c'est compliqué avec les horaires, avec les difficultés de transport et de mouvement. Donc, c'est quelque chose que je comprends qu'on reste sur le camp. Ouais. Justement, sur l'abaya, vous dites « J'ai l'impression d'être fausse, d'être recouverte d'une blouse d'hôpital. Cette chose, ce long manteau noir, n'est pas faite pour moi. » Ça, c'est au tout début. Et puis, ça revient hein, tout au long, c'est récurrent. On pourrait croire que c'est un détail, mais pour vous, c'est symbolique et ça l'est évidemment dans cette société. Oui, complètement. Et il m'est arrivé de ne pas sortir, c'est-à-dire de renoncer à une sortie parce qu'il fallait que je mette l'abaya et que j'avais pas envie parce que c'est moche, c'est informe, ça pèse finalement. Et donc vraiment, c'est un objet, comme vous dites, très symbolique parce que il empêche. Mais il permet aussi, c'est-à-dire que il permet aussi de dire qui on est. Et c'est quelque chose à quoi je m'étais refusée au début, c'est-à-dire de considérer cet objet comme quelque part un accessoire de féminité. Parce qu'au début, c'est vraiment une négation de la féminité pour moi. Et finalement, je me rends compte que refuser de faire des efforts sur mon abaya, je ne sors pas, je me sens négligée parce que mon abaya c'est vraiment une serpillière. Donc c'était mon mari qui me l'avait acheté vite fait sur une étale de marché avant que j'arrive, donc elle est beaucoup trop grande, je marche dessus, elle prend la poussière, elle est toute noire évidemment. Et un jour je décide en fait de me prendre un peu en main et d'aller m'en faire une à ma taille, sur mesure, qui me reflète un peu. Donc ça, c'est très compliqué parce que avec du noir, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver des artifices pour raconter son identité. Donc on va mettre des petits liserés, des petites décorations discrètes, pas trop voyantes quand même, parce qu'il faut pas trop en faire. Et ça, c'est oui, ça devient intéressant, effectivement. Il y a d'ailleurs notamment, mais on ne va pas tout raconter, toute une scène chez le tailleur au sujet de cette abaya que j'invite les lecteurs à découvrir. En tout cas, on l'a compris, hein, il y a beaucoup d'obstacles de prime abord pour partir à la découverte de ce pays et de ses habitants, et notamment de ses habitantes.
Mais qu'à cela ne tienne, hein, vous êtes persévérante et vous allez vouloir enseigner le français. Ça va être quasiment obsessionnel à essayer d'ouvrir toutes ces portes qui s'entrouvrent pour finalement se refermer. Et vous allez réaliser au cours de ces rencontres, parfois furtives, que vous, femme occidentale et ces femmes saoudiennes, vous avez bien sûr des choses qui vous séparent, mais d'autres qui vous unissent. Et ça va vous donner un peu d'espoir. Oui, complètement. Alors, effectivement, les cours de français m'ont vraiment permis d'ouvrir des portes et je ne sais pas comment j'aurais fait sans ça. Ça a été à la fois des rencontres dans la rue. Enfin, je pense notamment à une rencontre dans la rue et aussi du bouche à oreille où progressivement j'ai pu m'ancrer dans cette identité de prof de français langue étrangère que je suis. Et donc, petit à petit, ouvrir des portes qui ont commencé à me laisser rentrer dans les maisons des Saoudiennes et donc à les rencontrer. Alors, bien sûr, en tant que femme, j'ai accès aux femmes et ça, c'est quand même un plus énorme parce qu'après tout, c'est elles qui m'intéressent. Et j'ai pu donner des cours à des petites filles, à des jeunes filles, et puis après devenir amie avec ces jeunes filles, avec ces femmes. Et c'est vrai qu'au cours de nos conversations, alors moi, à l'époque, je parlais à peu près arabe, mais un arabe yéménite. Là, j'ai pratiquement tout oublié. Et elle, surtout, ne parlait pas le même arabe que moi, donc on ne se comprenait pas toujours. Il y avait l'anglais qui pouvait faire un peu pont, mais elle parlait pas toujours anglais d'ailleurs. Et donc on se retrouvait vraiment sur le terrain de la féminité. En fait, il y a une vraie classe moyenne en Arabie Saoudite dont on parle peu. C'est vrai que en Occident, on a un peu la caricature de la saoudienne bling-bling qui a une grande propriété avec plein de voitures, des énormes, des dorures d'or dans un palais, etc. Et en fait, non, il y a une vraie classe moyenne en Arabie Saoudite qui a peu de moyens et qui a les mêmes tracas que nous, c'est-à-dire des tracas domestiques, de gestion de maison, de ménage, de faire les repas, d'aller faire les courses, de s'occuper des enfants. Et ça, en fait, ça m'a fait du bien de voir ça, en fait, de me rendre compte qu'on partageait vraiment ce quotidien. Et après, dans nos conversations, ce qui était très touchant aussi, c'est quand on parlait des relations hommes-femmes et de l'amour, de la vision qu'elles ont de l'amour et comment elles perçoivent le mariage, la relation avec les hommes et leur vie de femme. Ça, c'était parfois perturbant aussi. Ouais. En tout cas, Intime Arabie, c'est vraiment un livre écrit par une femme, hein, donc par vous, Laetitia Clotz, sur d'autres femmes, parce que on a tous ces parcours de femmes que vous rencontrez, qui jalonnent ce séjour de 3 ans. Et rares sont les interactions avec les hommes, y compris votre mari apparaît très peu dans ce livre. On sait à peine d'ailleurs ce qu'il fait en Arabie, lié pour le travail, donc il travaille beaucoup. Est-ce que cette absence quasi d'hommes dans ce récit, c'était vraiment pour renforcer cette notion de séparation dans cette société saoudienne? Voilà, hommes et femmes ne vivent pas ensemble et finalement, nous, on a un pan de la réalité. Honnêtement, j'ai pas fait exprès. On me l'a dit en fait. On m'a déjà lors d'une rencontre, on m'a déjà fait cette remarque. Je m'étais pas rendu compte. Donc je crois qu'inconsciemment, oui, je voulais parler des femmes et du coup, dans ce royaume d'hommes, je voulais vraiment parler des femmes parce que c'est les femmes qui m'intéressent. C'est quelque part mon questionnement sur ma féminité qui m'a amenée à faire tout ce travail d'écriture et de témoignages sur ces femmes rencontrées. Donc, quelque part, ça ne me gêne pas du tout de ne pas donner la parole aux hommes, parce qu'on en parle assez par ailleurs. Je veux dire, ce royaume est dirigé par un monde d'hommes, donc voilà. Donc, c'est plus important pour moi de parler des femmes. Mais ceci dit, il y a un homme dans mon récit,
Qui m'a beaucoup touchée, qui a été très présent pendant ces 3 ans, sans parler bien sûr de mon mari, hein, qui a été très présent et qui m'a énormément accompagnée. Heureusement qu'il était là. C'est Cher, dont je parle dès le départ, l'homme de ménage. Et je trouvais intéressant de mettre en valeur cet homme-là, qui est un homme de ménage. Vous décrivez petit à petit aussi tout ce que les femmes n'ont pas le droit de faire dans ce royaume d'Arabie Saoudite, pas le droit de sortir sans l'autorisation de leur tuteur. Elles sont considérées comme mineures à vie, pas le droit de conduire, ou en tout cas à l'époque où vous y étiez. Et vous vous rendez compte aussi que dans leurs yeux, votre étonnement n'est pas forcément légitime. Elles n'ont pas forcément d'aspiration, ou en tout cas dans ce qu'elles vous disent, à plus de liberté. Tout à fait. Et ça, ça a été la grosse claque, j'ai envie de dire, pour la grosse surprise en fait, parce que j'arrivais un peu avec mes gros sabots d'occidental où la liberté de mouvement, la liberté de conduire, la liberté de choisir sa vie était évidente. Et bien sûr qu'elle leur était interdite, mais j'imaginais qu'elle l'a désirée, cette liberté. Et ce n'est pas le cas de toutes. Alors, il faut quand même prendre en compte que c'est difficile aussi pour elles de me dire tout ce qu'elles pensent. Elles ont quand même un peu peur de la répression, tout simplement. Et aussi, quand même, elles sont assez fatiguées de notre regard extérieur sur leur pays et sur leur liberté à elles. C'est-à-dire qu'à un moment, je partage notamment une rencontre avec une journaliste et elle ne veut pas en parler. C'est pas un sujet pour elle le fait que pour travailler, elle ait eu besoin de demander l'autorisation, de faire signer à son mari un papier comme quoi il l'autorisait, lui, son tuteur légal, à travailler. Pour elle, cette question-là n'avait pas lieu d'être. C'était pas la question. Elle est là pour bosser, elle fait son travail et elle veut pas parler de nos préoccupations à nous, qui restent pour elle des préoccupations vraiment d'occidentales et qui ne sont pas ses préoccupations. Après, il ne faut pas non plus nier qu'il y a vraiment en Arabie Saoudite tout un mouvement d'émancipation des femmes et de mobilisation autour de ce sujet et qui émane et des femmes et des hommes. Mais tous et toutes ne se reconnaissent pas dans ces mouvements-là. Et là, l'éducation, la religion jouent beaucoup. Et je pense que voilà, si les femmes sont un peu éduquées et aussi vont faire leurs études à l'étranger, leur vision va évoluer nécessairement. Mais les femmes que j'ai rencontrées, qui étaient essentiellement des femmes issues de la classe moyenne et pauvres parfois, pour elles, ce n'était pas des questions. Ouais. Et notamment le droit de conduire, même une de mes amies qui avait eu son permis de conduire à l'étranger, elle me disait que non, les Saoudiennes n'étaient pas prêtes à conduire. C'était pas le moment. Heureusement, depuis, elles l'ont obtenu. Mais elles n'ont pas un discours, déjà un discours uniforme là-dessus. Elles n'ont pas un discours si évident que nous, occidentales, voudrions qu'elle l'ait. Parmi les femmes que vous rencontrez et dont vous parlez dans Intime Arabie, Laetitia Clotte, il y a Fatima, qui est une femme plus âgée, qui est à la retraite. Et elle explique sa vision de l'évolution de cette société saoudienne, et c'est assez surprenant. Elle dit que oui, les femmes ont plus le droit de travailler qu'avant, par exemple, mais que en parallèle, les jeunes hommes deviennent de plus en plus exigeants avec leurs femmes, avec leur manière de porter leur voile, savoir où elles sont, à quel moment. Et tout ça, c'est paradoxal. Elle vous l'explique. Finalement, on ne sait pas si ça évolue dans le bon sens pour les droits des femmes. À ce niveau-là, au niveau de la société, on a plutôt l'impression du contraire. D'après son témoignage, effectivement, elle nous décrit une société où finalement les religieux
la religion influence de plus en plus le rapport homme-femme et où du coup les femmes ont quand même moins de liberté. Elle, elle se rappelle d'une époque effectivement où les femmes n'avaient pas à se couvrir. Et ça, c'est réel. C'est réel, c'est-à-dire que c'est arrivé. Alors, historiquement, je ne suis pas une experte de l'Arabie Saoudite, mais il y a eu quand même une évolution, on va dire, négative au niveau de la liberté des femmes et notamment de la façon dont elles ont maintenant à se couvrir et dont elles manquent de plus en plus, effectivement, de liberté. Même si, voilà, les choses ont encore changé avec l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ben Salman, mais ça reste très, très contrasté et très, très incertain quand même. Ouais. Et c'est très personnel aussi. Hein. On sent bien que dans chaque témoignage, il y a une vision des choses. Et c'est ça qui est riche dans Intime Arabie, c'est que finalement, vous arrivez à les rencontrer, ces Saoudiennes et différents profils aussi. Alors, je rappelle bien sûr aux personnes qui nous suivent que vous pouvez poser des questions par le chat, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom, hein, n'hésitez pas. Laetitia Clotz, sans dévoiler bien sûr toute la construction de ce livre, on peut dire qu'il y a à la fois du bon et du moins bon dans cette expérience que vous avez vécue en Arabie Saoudite et que vous racontez. À certains moments, on a l'impression que vous ne pouvez plus supporter cette vie un peu superficielle, vous culpabilisez hein, même parfois de voir des travailleurs sur un immeuble qui sue à grosses gouttes pendant que vous faites de l'aquagym dans une piscine. Et puis à la fois, dès qu'il y a une petite ouverture sur l'extérieur, c'est une grande victoire à vos yeux. Et puis toutes ces rencontres, elles vous enrichissent, elles vous font grandir aussi. Est-ce que ce voyage, ce séjour, il vous a changé, vous, en tant que femme? Oui, indéniablement. Oui, c'est certain. C'est sûr qu'il y a eu des moments très contrastés de rejet total et puis à la fois de me dire finalement je me sens pas si mal que ça. Finalement, avoue-le, tu te sens bien dans ce décor tout doré, idyllique, avec tes amis, avec cette sécurité autour de toi et puis avec ces amies saoudiennes. Oui, ça m'a changé parce que, comme je le disais, forcément, je me suis interrogée sur mon statut de femme et sur ce qu'il m'était permis de faire et sur ce que je pouvais faire en tant que femme. Et ça m'a poussée vraiment à m'interroger sur la place qu'on peut occuper dans notre société et ce qui nous est donné et ce que l'on doit encore acquérir. Et le fait que ce soit votre premier livre publié aussi, ça doit forcément changer votre rapport à l'écriture après cette expérience d'avoir couché tout ce récit sur le papier. Vous vous êtes sentie différente? Oui, alors moi je c'était quand même une victoire d'arriver à une victoire, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas une satisfaction d'arriver à retranscrire cette expérience. C'était important. En fait, je crois que j'ai quand même eu besoin de témoigner de ce que j'avais vécu et de ce que vivent les femmes saoudiennes et puis les femmes expatriées. Et ça m'a prouvé aussi effectivement que j'étais capable d'écrire et que j'avais envie de continuer. Il y a aussi ça, mais ça c'est très personnel, mais que j'aimais ça en fait, recueillir les témoignages des autres et raconter leur vie et écrire sur la vie des autres. Oui. Alors une question qu'on se pose bien sûr quand on referme votre livre, c'est est-ce que vous êtes retournée sur place depuis? Magali pose cette question. Est-ce que certaines personnes locales ont réagi suite à la publication du livre? Je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai pas eu de retour en local. Alors, il est publié qu'en français pour l'instant, donc c'est. Je pense que c'est compliqué de se le procurer là-bas. Je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'en Arabie Saoudite. C'est une bonne question.
Et pour l'instant, il n'y a pas de version anglaise, encore moins arabe. Donc ça, je ne sais pas. Après, non, je ne suis pas retournée là-bas. Je ne sais pas si j'en ai envie. De toute façon, la vie que j'ai vécue là-bas, elle est finie. Et je ne pourrais pas revivre ce que j'ai vécu là-bas. Par contre, j'aimerais bien revoir mes copines saoudiennes, surtout les petites filles, voir ce qu'elles sont devenues, comme elles ont grandi. Et puis ma grande amie Aïda, dont je parle beaucoup, que j'aime beaucoup. Ce serait extraordinaire que je puisse la revoir. Ouais. L'amitié n'est pas simple non plus, hein. Vous le dites, entre femmes, c'est parfois assez puéril ou enfantin, très impulsif. Et ça, vous êtes surprise aussi de cette forme d'amitié-là que même les adultes vous offrent. Oui, c'est une amitié amoureuse presque, en fait. Une amitié, en tout cas, qui me rappelle des amitiés adolescentes, en fait. Des amitiés souvent exclusives, où mon amie saoudienne me dit souvent que j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres saoudiennes puisque je l'ai, elle. Et où on vit des moments qu'entre femmes. Donc, c'est forcément. Il y a quelque chose de. Enfin, pour moi, il y avait quelque chose de mon adolescence qui remontait parce que bah, quand on est adolescente, enfin, moi, à l'adolescence, j'étais beaucoup entre filles. Et donc, il y avait quelque chose de ça qui revenait, des fêtes entre filles où on mettait la musique et où on dansait juste entre nous. Ça, je l'ai beaucoup vécu, en Arabie Saoudite. Et pour moi, c'est vrai que oui, ça me rappelait vraiment l'adolescence. Ouais. Et puis les messages qu'on s'envoyait avec beaucoup elle m'offrait des fleurs, il y avait. Par texto, hein, il y avait une de mes amies aussi qui avait décidé de m'appeler Perle, Loulou. Elle me disait tu es ma perle. Enfin voilà, c'était des amitiés très très intenses. Ça c'est certain. Ouais. On a moins parlé de votre rapport avec les autres expatriés. Alors, il y a différentes nationalités. Il y a quelques Françaises avec qui vous liez d'amitié aussi. Peut-être elles ont lu votre livre ou sont au courant de ce projet de livre. Je pense que ça a été pour les femmes qui ont vécu en même temps que moi à Jubail, à Mergen Village. Ça a été difficile de lire ce livre parce que je parlais de leur vie. Donc, elles ne le reçoivent pas forcément bien. Je pense qu'elles sont contentes que j'en parle. Après, elles ont leur propre vécu qui est différent du mien. Je pense que certaines se sont senties aussi sans doute jugées. Je les comprends. Après, voilà, je parle de la vie des expatriés. Forcément, j'ai un avis, mais j'en fais partie. Enfin, voilà, je me distingue pas d'elle. Par contre, beaucoup m'ont remercié pour la précision des souvenirs et comme je faisais remonter à elle des choses qu'elles avaient complètement oubliées. Comme tout revenait aussi de ce qu'elles avaient vécu sur le camp. Ouais. Alors, il y a plusieurs questions hein, sur le chat. Une question d'Eliane. Quel était le regard des femmes saoudiennes rencontrées sur votre mode de vie à vous et votre comportement vis-à-vis d'elles? En fait, bizarrement, j'ai pas senti de jugement, vraiment pas de leur part. Elle n'avait pas vraiment de critique à faire, ou en tout cas, je pense qu'elle s'imaginait qu'on était assez similaires. Une fois qu'elles m'ouvraient leurs portes, elles étaient très contentes de me recevoir chez elles, elles ne voyaient pas forcément les différences, en fait. C'est vrai que j'allais pas, bah, déjà, rien que d'un côté vestimentaire, j'essayais de ne pas commettre d'impair et donc en fait je me collais un peu à leur code vestimentaire. J'essayais de faire des efforts énormes pour me soigner, on va dire, mes tenues parce qu'une fois qu'on enlève la baya, quand on se retrouve entre femmes, on doit être quand même très 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 très, très apprêtée, ce qui n'est pas ma spécialité. Donc je faisais des efforts énormes pour me coiffer, pour me maquiller, pour avoir des tenues travaillées parce qu'elles aimaient ça.
et je ne racontais pas. Enfin voilà, je pense qu'elle s'imaginait, ce qui était vrai d'ailleurs, que j'avais une vie très très modèle et très 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 classique et très respectable de mère de famille avec à l'époque deux enfants et que je m'occupais de mon foyer, de mon mari. Et une réflexion qu'elles m'ont faite quand même, c'est le fait que je sois partie loin de mes parents et que du coup, quelque part, j'ai abandonné mes parents. Ça, c'était quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Quitter sa famille, la famille est très importante pour les Saoudiens et les parents vivent non loin des enfants, si ce n'est avec les enfants. Et ça, voilà, ça c'était quelque chose qu'elle pouvait ne pas comprendre. Alors, une autre personne qui dit que ce livre paraît très enrichissant. D'autres voilà, remarques également sur votre livre Intime Arabie. Et depuis, vous avez également voyagé, vécu dans d'autres pays, notamment à Singapour et en Ouganda, il me semble. Peut-être vous pourriez nous dire un mot de ces expériences en lien avec celles vécues en Arabie. Alors à Singapour, en fait, j'étais à nouveau enseignante là-bas. Je travaillais au lycée français, mais à côté de ça, je m'étais investie dans une association d'aide aux travailleurs migrants et en l'occurrence aux femmes domestiques employées de maison. Et là, vraiment, je retrouvais les mêmes schémas que j'avais rencontrés en Arabie Saoudite, c'est-à-dire des trajectoires de femmes qui sont complètement parce qu'on n'a pas parlé là pendant l'entretien, mais de ces travailleurs migrants qui sont complètement sous la coupe d'un tuteur, d'un sponsor. Et que ce soit en Arabie Saoudite ou à Singapour, le travailleur migrant souvent n'a pas son passeport, c'est-à-dire que le tuteur prend son passeport et le travailleur migrant est complètement à la merci de cet employeur. Et parfois, on arrive à des situations d'exploitation, d'esclavage dramatique. Et alors, c'est pas la seule chose que je retiens de Singapour, mais en tout cas, c'est le lien que je peux faire avec Singapour. Ça reste une réalité dans beaucoup de pays, l'esclavage moderne de ces femmes en l'occurrence qui se mettent au service d'une famille comme bonne à tout faire on va dire et qui souvent y perdent la santé et la vie. Et oui, on peut parler de l'Ouganda évidemment qui est un pays qui m'a marqué au cœur comme le Yémen en fait. Voilà, ça a été une rencontre aussi avec des paysages, avec des gens, avec un peuple. Et là-bas, j'ai monté avec mon ami Thomas Mboussa une web radio francophone, puisque nous travaillions ensemble à l'Alliance française. Et moi, j'avais toujours fait un petit peu de radio et on avait décidé de mettre à l'honneur la langue française à travers la radio et d'essayer de faire travailler des aspirants journalistes dans notre web radio qui s'appelle Bonjour Kampala. Et qui est toujours en grande activité. Et là-bas, j'ai consacré effectivement, je consacrais une émission aux femmes et au destin exemplaire, au destin en tout cas inspirant des femmes ougandaises et pas que ougandaises, en tout cas des femmes sur le territoire ougandais, qui s'appelait l'École des femmes. Alors peut-être un autre projet de livre après ces deux expériences. Oui, alors là je suis partie dans la fiction et donc je suis encore en rédaction et je vous en dirai plus j'espère rapidement, mais oui là j'avais besoin quelque part de sortir un peu du réel pour partir dans la fiction, voilà, mais par contre j'aimerais aussi revenir en Ouganda, vraiment, j'ai quitté l'Ouganda un peu rapidement, un peu trop rapidement et j'aimerais beaucoup y retourner pour recueillir d'autres témoignages et écrire autour de certaines questions qui me touchent, que ce soit les enfants ou les femmes en Ouganda. Voilà, peut-être plus tard. Alors, si quelqu'un a des questions à poser à Laetitia Klotz autour de ce livre, Intime Arabie, de son expérience de vie en Arabie Saoudite, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez prendre la parole également si vous la demandez. En attendant peut-être d'éventuelles questions, est-ce que vous pourriez nous dire en tant qu'écrivain, quelles sont vos sources d'inspiration ?
Ah, j'en ai beaucoup. vous voulez dire des écrivains qui... Moi, bon, alors j'aime beaucoup Marguerite Duras, voilà. Après, j'ai beaucoup lu Kessel au niveau des écrivains voyageurs. Je suis très inspirée aussi par Sylvain Tesson. Je pars un peu dans tous les sens, hein. Voilà, Delphine de Vigan aussi, j'aime beaucoup. Alors, je vous dis tout un peu en bazar, on va dire, mais je lis beaucoup quand même. C'est-à-dire que c'est très important pour moi aussi de me nourrir de littérature. Et j'aime beaucoup aussi des auteurs latino-américains comme Isabel Allende et puis Gabriel García Márquez, évidemment. Borges, voilà, beaucoup de littérature latino-américaine. Et c'est vrai que la fiction, c'est pour ça que peut-être que je suis partie maintenant, là, pour mon projet actuel vers la fiction, parce que bah, tous ces écrivains m'inspirent beaucoup et m'inspirent aussi pour créer un autre univers. Ouais. Alors, une question qui est arrivée entre-temps, comment est vécue la dimension culturelle par les hommes et les femmes, c'est-à-dire en fait, est-ce que les hommes et les femmes participent de manière mixte à des activités culturelles ou des spectacles en Arabie Saoudite? Alors, de manière mixte, non. Non. À l'époque, il n'y avait même pas de manifestation culturelle, c'est-à-dire que, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas d'événements, il n'y avait pas de concerts, et donc déjà, ça n'existait pas. De manière mixte, encore moins. Encore une fois, depuis l'arrivée, alors au pouvoir, c'est pas exact, mais en tout cas depuis que Mohamed Ben Salman est prince héritier, il a lancé un grand projet Vision 2030 pour moderniser un peu son pays. Et il a notamment ouvert des cinémas et des salles de concert, etc. Et récemment permis aux femmes d'assister, je crois, à des matchs de football, des choses comme ça. Mais la mixité, elle est toute relative parce que encore une fois, et j'en parle un petit peu dans le livre, il y avait à l'époque ce qu'on appelait les espaces, la family section, où on pouvait retrouver les familles. Et ensuite, il y avait les espaces pour les célibataires, la bachelor section. Donc, on était toujours séparés. Et ça, je crois que ça a encore, enfin, même si ce n'est plus obligatoire. C'est encore usuellement beaucoup, ça fonctionne encore beaucoup comme ça. Donc la mixité, c'est quand même très très loin encore. Une autre question sur le processus d'écriture. On en a parlé un petit peu au début, mais avez-vous appuyé votre récit sur des notes prises de manière quotidienne ou plutôt sur des phases d'écriture plus ou moins régulières tout au long de votre séjour? C'est quand même des notes très régulières, même si je n'ai pas écrit tous les jours, je ne vais pas mentir, mais c'est quand même des notes très régulières, ou alors oui, des phases d'écriture un peu plus longues, mais en tout cas, j'ai toujours, toujours pris des notes, et c'est ce qui m'a quand même permis d'écrire ce livre, c'est-à-dire sans toutes ces notes, et sans, encore une fois, j'insiste, parce que je l'ai beaucoup fait, et je le fais encore tout le temps, j'aime beaucoup quand je suis... Quand je suis dans n'importe quel, en fait, quand je suis à l'étranger, mais aussi dans mon quotidien, j'ai souvent mon enregistreur avec moi. Et si j'ai pas mon enregistreur, j'utilise le dictaphone de mon téléphone et j'adore enregistrer les conversations. Souvent, je trouve que je parle avec une personne et je me dis, oh là là, mais ta vie est super intéressante. Et donc, je branche mon enregistreur et j'enregistre. Et c'est comme ça que j'ai eu pas mal de témoignages de Saoudiennes, mais aussi d'expatriés. Ouais. Ben voilà, des remerciements également pour votre témoignage ce soir, Laetitia Claude, sur le fil de notre chat. Nous arrivons au terme de notre rencontre. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Je rappelle donc que votre livre Intime Arabie, Confidences saoudiennes est paru aux éditions Transboréales. Oui.
Une super maison d'édition, une super équipe. Je les remercie tous les quatre. Voilà, je les aime beaucoup. C'est voilà, des gens très sympathiques et très, très accompagnants.